Donc on a vu dans Matthieu 6, 25 que Jésus dit ⁇ La vie c'est plus que les choses matérielles, donc ne vous inquiétez pas pour les choses matérielles. ⁇ Deuxième chose que Jésus va dire, c'est que ça donne rien de s'inquiéter parce que Dieu prend soin des fleurs et des oiseaux, et nous, les êtres humains, pour lui, on est beaucoup plus précieux que les fleurs et les oiseaux. Au verset 26, ⁇ Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre père se laisse les nourrir. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Encore la question, hein? Considérez comment croissent les listes des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean, de peu de foi Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Alors, si tu es un être humain qui écoute cette vidéo aujourd'hui, tu es beaucoup plus précieux pour Dieu. Beaucoup plus précieuse pour Dieu que les oiseaux, les fleurs de qui Dieu s'occupe de toute manière. Alors ne t'inquiète pas, Dieu va s'occuper de toi. Cherche à connaître Dieu et à entrer dans une relation avec lui. Nourris ta relation avec lui si elle est déjà là, puis Dieu va s'occuper de toi. Ne t'inquiète pas.